Mon premier réflexe, c'est d'appeler mes parents à Liège. J'appelle mon père, il me dit qu'il a téléphoné à tout le monde, que tout le monde va bien. Je suis rassuré. Alors, je me présente, je m'appelle Yacoub, j'ai 20 ans, je suis étudiant en communication à Liège. Je suis né à Liège et j'ai grandi à Seraing, aux environs de Liège. Mon père, via de Turquie, a grandi là-bas et mes grands-parents maternels sont nés là-bas et ont grandi là-bas et ils sont immigrés à 40 ans. Je suis donc belge d'origine turque et plus précisément originaire d'Alfeti. C'est un petit village qui se situe entre Gaziantep et Şanlıurfa, en plein dans les zones où il y a eu les tremblements. J'y vais assez souvent. J'essaie d'aller le plus souvent durant les grandes vacances, depuis que je suis tout petit. C'est plus ou moins à une récurrence de 2 étés sur 3, plus ou moins. La plus grosse partie de ma famille paternelle est là-bas. Je venais de me réveiller, c'était première journée de cours. Comme tout le monde, j'allais sur le réseau et là, je vois qu'il y a eu des tremblements en Turquie, en plein dans ma zone. Et là, je commence à stresser, à angoisser. Mon premier réflexe, c'est d'appeler mes parents à Liège. J'appelle mon père, il me dit qu'il a téléphoné à tout le monde, que tout le monde va bien. Je suis rassuré. Peut-être un peu égoïstement rassuré parce que sur le coup, je pense pas trop aux autres gens, mais pour les miens, je suis rassuré avant tout. J'envoie quand même un message dans le groupe WhatsApp de la famille pour dire est-ce que tout le monde va bien, est-ce que prenez soin de vous, tout ça. Très vite après, la joie que j'avais pour mes proches en Turquie, pour le fait qu'ils soient bien, s'est transformée surtout en tristesse pour les autres quand je vois les images, quand je vois les personnes sous les décombres, quand je vois les lieux que j'ai connus, mais plus que les lieux, parce qu'en soi, les lieux, ça n'a pas très d'importance par rapport aux vies, aux familles qui sont détruites. J'étais vraiment, vraiment affecté par ça. Après, en tant que belgo-turc, j'ai la chance d'avoir deux chez moi. Il y a un de mes chez moi qui est du coup Seraing et Liège, et l'autre chez moi qui est là-bas, Alfeti et ses environs, ses grands environs. Et le fait est qu'un de mes chez moi était dans un très mauvais état, était quasi détruit, et je pouvais rien y faire, j'étais ici et je devais continuer à vivre. J'ai eu de la chance, mon petit village n'a pas été trop affecté, c'était surtout pour les environs en fait, c'était surtout les environs qui ont fait ça. Alors bien sûr que j'ai été touché quand j'ai vu des monuments que je vois depuis tout petit qui ont été détruits ou quoi, mais ça n'a pas d'égal que des vies perdues ou les familles détruites bien sûr, ou que les maisons qui sont parties, pas comparable. Ah, j'ai pas pu faire grand chose hein, honnêtement. J'ai continué à vivre parce que les cours reprennent, la vie sociale reprend aussi. Je continue à voir mes potes, à m'amuser avec eux, à rigoler. Bien sûr, je pense toujours à ce qui se passe là-bas. Je peux pas vivre sans, mais j'essaie pas trop leur parler parce que j'aime pas trop parler à mon entourage quand je suis pas bien et tout. Je préfère pas trop l'exprimer, pas trop le dire. Je le garde sur moi, ce qui est pas bien. Faut le dire, quand on se sent pas bien à ses proches, c'est mieux. J'ai eu le réflexe de mettre les chaînes d'info en continu turc. J'ai regardé pendant des heures et des heures les chaînes d'info turques, qui m'a mis dans un très mauvais état, honnêtement. J'étais vraiment, mentalement, c'était dur. Donc pendant ça a duré pendant 2 jours, comme ça, c'est ce mode de vie où je regardais régulièrement les chaînes et tout. Après 2 jours, je voyais très bien que ça me détruisait psychologiquement et tout, et donc j'ai décidé de lever le pied et de ne pas arrêter à regarder des chaînes comme ça, pour mon bien personnel. J'ai aidé un cousin qui est parti, carrément il est parti en Turquie pour aider les gens là-bas. Il dit qu'en gros c'est la guerre là-bas un peu, plus ou moins. Il fait ce qu'il peut pour aider, mais c'est tout ce que j'ai pu avoir comme info de lui pour l'instant. J'essaye de pas trop déranger pour qu'il continue à aider là-bas. Il y a un cousin de mon père qui est malheureusement décédé sous les décombres, enfin sous les bâtiments. Je ne le voyais pas fréquemment, c'est sûr, mais je l'ai vu quelques fois et donc ça m'a quand même touché d'apprendre son décès. Mon ressenti que j'ai vécu maintenant, c'est ce qu'ont vécu de nombreux Turcs et Syriens du monde entier qui ne vivent pas sur place. Essayez de vous tenir informé sur ce qui se passe là-bas.